Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ATC. Nous sommes le dimanche 5 juin. Non. Le dimanche 9 juin. Pardon, voilà, j'étais pas. Alors, je vais vous faire un tuto ATC Cupcake. Voilà. Alors, il y a du passion carte créative et il y a du action. Voilà, en gros. Nous allons faire en plusieurs étapes. Là, déjà, je vais mettre à la date d'aujourd'hui, donc à la date du 9. J'avais déjà pré-rempli là. Là, je remplirai tout à l'heure hors caméra. Tranquillou. Donc nous sommes le 9. Voilà. Donc vous utilisez le médium collant que vous voulez. Ça peut être le bâton de colle. Ça peut être de la All Purpose Glue, de la Tacky Glue, du double face. Ce que vous voulez. Des stylos colle comme ça. Les rouleaux à les souris de colle de chaque son, les souris comme ça de colle. Moi ça c'est du blanco, mais il y a des souris de colle comme ça aussi qu'Axon font. Vous pouvez très bien les utiliser aussi. Moi honnêtement en vidéo je préfère utiliser ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là je vais prendre cette base là, je vais venir la coller là dessus Voilà, je vais utiliser ce côté-là pour mettre celle-ci par-dessus. Donc je vais venir coller de ce côté-là. Voilà. Alors cette colle-là, moi je vous la conseille. C'est la marque Bison Stick de chez Action. Je prends que celle-là. Je prends plus la colle blanche et bleue de chaque son en bâton comme ça parce qu'elle ne colle pas. Elle colle pas, pas bien en fait. Si vous attendez 2 minutes pour coller votre base, une fois que vous avez mis votre colle, si vous tardez trop pour la mettre sur votre base, si par exemple vous faites comme moi et que. Si par exemple votre base ATC là, la rose. Si vous la badigeonnez de votre bâton de colle blanc et bleu de chez Action et que vous tardez pour la mettre sur cette base-là, ça ne va plus coller. Ça ne va plus bien adhérer à votre colle, à votre base, pardon. Tandis que celle-ci, même si vous attendez 2 minutes, ça va toujours coller. C'est ça qui est bien. Donc là, du coup, je vais venir prendre celle-ci. Je vais venir badigeonner ma colle de ce côté-là. Voilà. Voilà. Là. Alors, si toutefois vous demandez comment j'ai fait pour avoir des arrondis comme ça pour mes ATC. J'ai acheté mon dies ATC sur la boutique de la compagnie des elfes et c'est de la marque Créalise. Ne pas confondre avec la marque Créalia de chez Cultura, c'est pas la même marque. Voilà, donc là je vais utiliser le sentiment cupcakes que je vais venir coller sur mon petit bout de papier rose là. Voilà. Donc en gros, ça donne ça. Ça, je vais venir le coller au dernier moment. Ensuite, je vais prendre mon cupcake qui vient de la compagnie des elfes, moi, tout à fait. Qui vient du Passion Carte Créative. J'ai aussi des dies pour faire des cupcakes, mais là, j'avais envie d'utiliser ce die cut là.
J'ai des dyes, j'ai des tampons. Un tampon, une planche de tampon qui est une chaction, c'est Cupcake. C'est celui où il y a le dyes qui va avec. Alors, attendez, parce que là. Voilà. Là. Comme ceci. Alors si par exemple vous avez mis un papier de matage sous votre base là, sachez que si vous ne voulez pas que ça empiète sur le papier de matage, vous pouvez faire comme moi. Si ça ne vous dérange pas que ça vienne empiéter sur votre papier de matage, vous pouvez aussi le mettre directement sur le papier là. Ensuite, je vais venir prendre ce petit morceau. Alors ça vient d'une chute de papier du bloc du thème gourmandise de chez Action que je suis venue découper. Je vais venir le mettre là comme ça. Et celui-là, ça vient du même bloc. Du coup, je vais venir le mettre là. Et après, je vais venir, bien évidemment, mettre mon sentiment ici. Voilà. Alors, là, je viens coller mon cupcake. Je suis venue le découper d'une chute en fait de papier que j'avais gardé, que j'ai gardé encore parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut venir découper et qu'on peut venir coller comme ça sur des ATC, sur des cartes ou même sur des attestampes. Hein, on peut le faire aussi sans souci. Voilà. Après, si là au milieu vous trouvez que ça fait vide, vous pouvez toujours venir rajouter un petit quelque chose, un petit cœur ou autre. Voilà. Moi, je laisse comme ça parce que ça me convient. Voilà. Donc, du coup, l'ATC est terminé. Donc, du coup, ça donne ceci. J'aime beaucoup. Voilà, ça donne son petit effet. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tuto-là. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!